Bonjour tout le monde, bienvenue sur News Daily. En fait, nous avons la réaction du Parlement américain, en fait, qui s'en est un groupe bipartisan, républicain et démocrate, qui ont réagi sur le rapport Mission Oyate Genyen qui recommandait pour l'élection ta fête en dans le pays, et bien, et en mi-temps, et année ça. Non seulement le parlementaire américain réagit, mais il y a des éléments, des membres qui étaient dans la mission, ça a tout, ils ont monté des accords. Nous gagnons tout là, ambassade. Et nous gagnons ambassade là, qui ambassade des États-Unis, qui réagit sous cause insécurité généralisée qui gagne dans le pays. D'abord, en nous bon, réaction ambassade là, mais ça lui dit, il dit que pays États-Unis gagne gros préoccupation sur question monde qui a perdu la vie yo à insécurité générale qui ses conséquences violence gang yo. Nous condamnons violence systématique doit monde à liberté fondamentale si la yo qui habite dans communauté tant cour cité soleil la saline belle matissan ville de dieu. Nous condamnons toute attaque qui fait contre journaliste qui a servi tout citoyen dans une démocratie, c'est ambassade États-Unis qui a continué. Les États-Unis mandé gouvernement haïtien pour protéger citoyen liyo nan goumen contre gang yo qui a continué multiplier et puis nan prend mezi pour permettre que moun qui fait violence ensemble tout complice yo répondre des actes yo. Violence, corruption, impunité empêcher réaliser objectif de développement pays d'Haïti ak aspiration peuple haïtien pour yon la vie meilleure pendant trop longtemps. États-Unis été déterminé pour travailler en Haïti dans renforcer institution démocratique yo ak capacité pays a pour répondre à défi qui continue gagner la question insécurité. Ça c'est note qui sorti au niveau de l'ambassade des États-Unis après dernier acte qui sorti dans le pays d'Haïti. N'a rappelé jeudi après 1er juillet, eh bien, et nous gagnons barbecue, membre Genève qui dit yap nan la ri tout. Yap nan la ri, et il me semble que pour t'amander la paix, pour t'amander, en fait, c'est à ne rien comprendre, puisque quelque part, le groupe liat est initiateur, groupe qui était largué dans le crasé brisé et qui catégoriquement dit c'est normal pour yo et bouler business moun, attaquer tout bagay, voler, casser banque, parce que c'est pour yo, on comprend tout magasin, tout bagay revient yo de droit. Et donc mission politique, et nous toujours dit ça, OEA qui sorti mal et qui sorti led, d'ailleurs pas bon grande surprise dans position, li tout moun connaît. Et mission organisation OEA qui recommandé pour que président Jovenel Moïse pressé ta mette un nouveau premier ministre en cabinet en urgence qui pour ta établi un climat insécurité et mette un nouvel conseil électoral en Haïti qui pour ta faire élection locale présidentielle avant fin année. Rapport ça qui te montre très optimiste pour solution qui vous fait comprendre que vous avez parlé avec tout le monde. Et rapport ça qui et Moïse et d'autres membres organisation ont partagé conclusion hein, eh bien tout connaît que plusieurs membres de l'opposition ont rejeté et rapport ça qui était basé par 5 membres dans mission OEA qui était en Haïti et du 8 à 10 juin et en fait réalité qui s'allier majorité dans grand pile dans leader politique qui pas de rencontrer OEA. Il va parler de ça dans le rapport là qui m'a dit pour un nouveau gouvernement capable de mettre en place pas plus tard que dans le mois de juillet. Et il a été catégoriquement rejeté pour que Jovenel ta baille talon dans le climat ça qui sous pouvoir depuis pour même 4 ans et 5 mois et qui pas arrivé faire élection. Et il a demandé pour différentes secteur dans la société a été
justement rencontrer ensemble pour faire compromis. Et donc voilà, il était parlé de dialogue. Maintenant, mercredi dernier, en parlant de hier, et Guyen, OEA et d'autres monde qui présentaient le rapport là comme ça n'a relé roadmap moyen justement pour rétablir l'ordre en Haïti. Toutefois, délégation ont été gagnée là-dedans, des individus et d'un coup Saint-Lucie, Antigua, Barbuda, ils ont même beaucoup de part qui étaient en mission. Ils ont dit que mission pas vraiment facilité aucun dialogue. J'en vous fais connaître. Donc, visite ça pas comme succès. Et ils dit yo inquiété de engagement qui pas de gain, qui pas effectif. C'est ça, Saint-Lucie, ambassadeur de Saint-Lucie, Anthony Edmond, qui te vle pour effectivement pour te impliquer tout le monde. Antigua Barbade, il était plus direct, mais ça le dit lui-même. Il dit d'après j'en rapport ça apparaît là, pas de grand dialogue qui te facilité. OK? C'est le dans mission en tout. Et il te montré lettre, trois lettres qui te montré objection par rapport avec Haïti, à des membres de l'opposition qui objection de rapport ça. Pas de grand réunion entre parti yo et pas de grand dialogue entre président et moun qui impliqué dans crise là. Ça a parlé d'autres membres de mission OEA qui a parlé. Et monsieur en fait toujours membre de mission, il dit Jovenel Moïse Bokote était pas admettre que pas gagner un dialogue officiel entre secteur politique là et secteur privé là, il pas identifié. Mission a pas parlé de ça dans rapport qui présentait comme un rapport parfait côté que tout le monde était entré en dialogue et il a parlé pressé dans mi-temps juillet. Alors que il faudrait que effectivement tu as gagné un consensus largement entre acteurs haïtiens yo sur route pour yo prendre pour sortir dans crise ça. Et nous ca comprendre que situation en vienne dégénérer après ou a à finaler nous souvent c'est en période ça on ba yo vinn pi mal et on t'a dit et ça passé hier là c'est sommaire côté que nous connaît 15 moun mouri pendant une nuit journaliste et Diego ainsi que activiste Marie-Antoinette Duclair yo touye yo avec des séries de gros armes automatiques dans Christoa Pétionville nous connaît tout te gen porte-parole police la Gerbi Geoffroy et qui perdit la ville la veille bon dicté la police ça t'a fait comprendre que c'est un allié et Gerbi Geoffroy qui t'a commet zaksa yo. Claude Joseph, premier ministre qui condamné, Léon Charles qui justement dit c'est allié et Geoffroy qui est autouillé qui t'a cause ça. D'autres moun dit que malgré yo dit que gouvernement dit li augmenter budget. Li fait ceci mais les États-Unis vraiment inquiet par rapport justement ressources qui pas assez allouées à law enforcement yo pour bataille ça pas bien que gonbonne ressources cap gaspiller pour causer et référendum ou ensemble de bagaille. Yo concerné de corruption en fait les États-Unis cap parler de corruption de besoins humanitaires et il a parlé de absence d'action effective de gouvernement haïtien pour assurer responsabilité dans respecter droit moun et il va connait que recommandation pour ta gain un nouveau gouvernement par un nouveau gouvernement par en fait dans mi-juillet c'est à une alternative tout j'ai entendu nous connaît qui c'est ancien député dans et fait qu'on est que et franchement l'impossible pour Jovenel Moïse ta justement arrivé faire élection dans le temps à Néa dans condition Jean pays ça est là il a le temps pour que gouvernement Jovenel Moïse a accepté le fait que li perdi crédibilité li perdi habilité pour ta réunir ensemble différents secteurs politiques et différents acteurs dans cette civile là pour capable de nous consensus
et pour ta mettre un conseil électoral qui inspire confiance. C'est Dieu qui dit et crise haïtienne nan li non impasse totale et le pire pitapitrice li temps pour li les temps pour que tout secteur international là comprenne que justement que Jovenel Moïse pas fait partie de solution pays d'Haïti. Ambassadeur Bouchit qui lui-même nous connaît qui dans l'OEA qui a plaidé pour Jovenel Moïse et il dit que même il gantan gen l'autre date là pour vous faire à la fois de manière simultanée et référendum et élection. Et maintenant, qu'en est-il de gen sa rele yon nouvel caucus? En fait, hier encore des membres qui sa rele yon Asian caucus nan au niveau de Congrès qui gen la dan à la fois des républicains et des démocrates. C'est des haïtiens qui ramené donc des parlementaires américains. Et yo même yo voye jeté comme toujours l'idée de référendum et ainsi que rapport OEA. Et on dit c'est un bagage qui troublant, rapport, yo dit rapport OEA pas vraiment compréhensible, c'est un rapport qui biaisé, qui ignoré crise qui gagne dans pays d'Haïti ta. Li pa ba un véritable plan pour assurer une élection qui free, qui crédible dans pays d'Haïti. Et yo rapport ça justement pas parler de et pour ta mettre fin avec ça nous le référendum qu'a parler. Et yo pensais que rapport OEA c'est créer la créer plus pas vraiment créer stabilité la paix respecter droit monde retour à la démocratie dans pays. Gen House Committee for Foreign Affairs qui par Chairman Gregory Mink qui sont démocrates dans New York, nous gen ranking member Michael T. McClung qui sont républicains dans Texas. Yo montré yo vraiment inquiété par rapport avec situation dans pays d'Haïti cap vinn pi mal et yo parlé de une nouvelle date pour référendum dans une lettre qui envoyé par secrétaire d'État et Anthony Blinken. Eh bien bipartisan député ça yo dans lettre et dans lettre ça a dit yo dit Moïse qui a dirigé par décret depuis janvier 2020 pas arrivé reconnaître gravité situation dans pays d'Haïti. Il dit clairement, monsieur pas montré que li comprendre sérieusité ça qui a passé dans pays là. International là inquiet partenaire de instabilité qui a régné. Malgré toute instabilité, li rete son seul bagage référendum. Il dit que li impératif pour que administration Haïti a adressé crise là et supporter mesures qui capable servir haïtien. Aussi longtemps que Jovenel Moïse a insisté pour le faire référendum dans pays là. Conditions politiques, dialogue, réconciliation, ça va être capable justement d'arriver fait. L'ETSA a dit que non seulement que y a un pile juriste haïtien qui considérait on parle référendum sont en violation de actuelle constitution et l'ordre du bras le fait en fait toujours et groupe de parlementaires ça au cap parler l'ordre du bras le fait à la fois on va le voter référendum et une nouvelle constitution en fait et comme t'as dit élection et une nouvelle constitution. En même temps, pas gen check balance dans bagay sa. C'est une recette pour désastre ça Jovenel a préparé là d'après groupe parlementaire ça. Dans l'aide ça, yo dit yo concerné et yo montré que yo parlé de Antigua, d'autres représentatifs et nan mission OEA qui en désaccord avec recommandation OEA. Donc voilà. Donc en substance, nous gen des parlementaires des États-Unis qui pensaient que justement yo même yo attaque précis le fait que Jovenel voulait faire une recette et démagogique dans le sens que le référendum et élection en même temps yo parlait de d'autres membres de conseil de OEA qui dit yo même yo complètement en désaccord avec recommandation ça yo. Donc son façon vous dit qui ça que effectivement en pile acteur commencer à comprendre que effectivement Jovenel est pas vraiment et mieux placé justement pour t'arriver faire un véritable consensus pour mener pays ça dans l'autre direction. Entre-temps, jodia nous pas connaît qui ça va le passer dans la rue puisque nèg yo dit yap dans la rue pour manifester et est-ce que yo pral continuer casser magasin monde puisque pas vraiment gen monde qui capable freiner yo contrairement à ça a dit. Il très dément on gagne un nèg ça au cap mandé sécurité tout. Vous ça ne rien comprendre. Yo capable mandé sécurité. En fait, on a dit moun cap créer insécurité ou capable boyo dans la rue jodi à côté que yo même tout, il a mandé
pour sécurité alors que yo c'est justement outils de l'insécurité. Donc voilà guys, justement yon résumé de réaction des parlementaires de l'ambassade des États-Unis par rapport avec situation crise dans le pays d'Haïti. C'était un plaisir. Bye bye tout le monde.